Donc, je vais vous donner le rituel nécessaire le matin. OK? Et j'espère que ceci va pouvoir vous aider, vous guider. Vous devez demander l'assistance de vos ancêtres le matin. De la même façon qu'on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin des anges, on a besoin de nos ancêtres, dont n'oubliez pas, et de la Vierge Marie. Quelles sont les nécessités de chaque matin? Premièrement, on a tous dormi la nuit, on a eu la lumière. La lumière n'est pas seulement pour les décorations ou bien pour les bougies d'anniversaire. La lumière vient dans l'esprit, dans le monde de l'esprit d'abord. Ça vient déposer quelque chose. Dans le monde de l'esprit, ça vient. Parce que comme je suis là comme ça, je ne vois pas dans le spirituel. Ce que je vois, c'est juste mon plafond, je vois mes chaises, mais je ne vois pas ce qui se passe. Je ne vois pas qui est ici à côté de moi. Donc c'est important que vous puissiez activer votre lumière à tout moment. Donc, quand vous dormez, faites l'effort d'avoir des bougies en permanence allumées à la maison. Voilà. Vous devez aussi vous assurer que vous avez votre parfum. Ça peut être du Saint-Michel, ça peut être du 777, ça dépend de ce que vous avez. Le rituel matinal doit être composé d'ouverture. J'ouvre mes chakras, j'ouvre mes idées, j'ouvre mes oreilles, j'ouvre ma gorge. Voilà. Vous avez les encens. N'oubliez pas vos encens. L'encens va purifier mon environnement. Mettez-en au moins une fois par jour à la maison. Et quand vous faites votre rituel le matin, vous voulez être toujours conscient. Vous voulez que votre esprit soit ouvert. Je me lève tôt. Je vous ai parlé de ça. J'ai une vidéo où je parle de ça. Mangez-en une fois par jour au moins. Ça va nettoyer votre bouche. Regardez mon autre vidéo dans laquelle je parle des 7 grains qu'on utilise. Donc, vous prenez, mangez dans la bouche. Ça, c'est la première chose à faire le matin. J'ai ma bougie, j'ai mon encens. Je mets les grains dans la bouche, je les mange. Et quand je mâche, je reçois ma purification. Les premières paroles que vous prononcez le matin, ce n'est pas censé être pour votre gars ou bien pour vous, vos ancêtres, votre connexion. Vous mâchez ça, vous dites vos voeux. Vous avalez. Vous lancez l'autre dehors. Vous prenez votre encens, vous purifiez. Pour les types d'encens, quand je suis en consultation avec vous, je vous montre ce dont vous avez besoin. Après ça, vous faites votre bain. Le matin, psaume 23, 91, 35, Deutéronome 28, les déclarations. Vous finissez tout ça, vous versez l'eau sur vous. Et en versant, vous parlez sur votre corps. Vous parlez sur votre journée. En faisant le bain, vous faites face à l'est, là où le soleil se lève. Vous devez déjà connaître là où le soleil se lève, à partir de votre maison. Moi, chez moi, là où je suis, c'est que le soleil se lève là-bas. Peu importe là où vous êtes dans la maison, tournez-vous pour faire face à cette direction-là. Et en déclarant avec ceci, vous avez déjà dit ce que vous voulez. Je déclare que je veux telle somme d'ici tel jour. Écoutez, votre parole le matin a du pouvoir. Je veux telle chose d'ici telle date pour faire telle chose. Ok.
Quand vous finissez tout ça, vous laissez sécher. Pour ceux qui ont les huiles pour se oindre, il y a des huiles que je vends aussi. Ça dépend de vous. Il y en a qui ne se oignent pas du tout. Si vous en avez, c'est déjà des barrières protectrices. Vous mettez sur vous. Et en vous oignant maintenant, vous déclarez, je me protège. Toute flèche de l'ennemi, je déclare que ça ne m'atteint pas. Dans la journée, vous devez toujours avoir sur vous du jujube, ça. Le parfum. Quand vous prenez le parfum, vous faites vous respirer d'abord. Ça va comme ça, ça vient ici la débloquer. Parce que quand on vient vous étourdir, on passe par votre front là. Quand on vous embrouille un peu là. Ouvre. Vous mettez un peu sur vos oreilles. Vos bras. Parce que votre puissance est ici. La puissance est ici. Là. Donnez-moi un like pour la vidéo, s'il vous plaît. Vous savez, ça, c'est un truc que je ne comprends jamais sur les Camerounais. En ligne, on sait que tout le monde qui regarde une vidéo doit liker la vidéo au moins une fois. Bon. Quand vous finissez sur les mains, vous finissez, vous laissez tout ce qu'il y avait sur vous sécher. Et vous vous habillez. En lavant vos vêtements, vous pouvez mettre du sel de mer dans l'eau de fin, là, quand vous restez les habits. L'eau de mer, vous mettez le sel de mer, vous mettez un peu de grain dans l'eau pour rincer les habits. Au lieu de mettre de la soupline seulement, vous mettez un peu de sel. Vous bénissez vos vêtements. Maintenant, vous vous habillez. Bon, moi, j'ai sur presque tous mes vêtements, j'ai mis ça. Vous avez déjà remarqué sûrement. Vous pouvez mettre ça sur vos vêtements. Okay. Si vous regardez ceci après, partagez ma vidéo avec quelqu'un à qui ça va aider. Et puis, laissez-moi un pouce comme ça. Vous me mettez aussi un commentaire pour dire je reçois. Je reçois. Je déclare votre journée bénie. Je déclare qu'aucune force qui a été envoyée contre vous ne peut prospérer. Je déclare que pendant que vous suivez ce rituel, vos ancêtres se connectent à vous. Vos ancêtres viennent à vous. Ils vous parlent. Ils vous guident dans la journée. La Vierge Marie met sa protection autour de vous. Et aussi vos anges marchent avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez beaucoup de temps pour méditer. Passez beaucoup de temps dans la méditation. Je vous souhaite une bonne journée.